Mercredi soir, la rédaction régionale de guinematin.com à l'abbé a reçu un appel téléphonique d'un élève du nom de Tierno Mahamoudou Diallo, lui aussi présenté par le complexe scolaire Saint-André, qui revendique la place de premier ex aequo à l'examen d'entrée en 7e année, session 2019. J'ai été premier de la préfecture. Je consultais l'internet et j'ai vu. J'étais content quand j'ai su mon classement. Je suis tellement content. J'ai des sentiments de joie et je suis très très content d'être premier. J'ai à dire à mes parents merci de m'avoir fait réviser à la maison et à mon père d'avoir pris ma scolarité. C'est ma mère qui me faisait réviser à la maison. Notre maître est très gentil. Il nous enseigne bien et il est très, très un bon maître. Cette information capitale a été immédiatement confirmée par le délégué communal de l'éducation de Kouroula. La DSE de Kouroula seulement a pu avoir les deux premiers de la préfecture. Et tous sont des garçons issus d'une même école, notamment Saint-André. Il s'agit de Tierno Mahamoudou Diallo. Son PV, c'est le 5546, avec mention très bien. El Hadj Mamadou Bobo Diallo, son PV, c'est 5395, avec la mention très bien. La mère de Tierno Mahamoudou partage ici ses sentiments de fierté et de satisfaction. Toute la famille est contente et on est content de l'enfant qui a réussi à être premier de la préfecture. Vraiment, on remercie surtout aussi son maître qui les a bien encadrés à l'école, qui est toujours avec eux à l'école. L'enfant, à son retour à la maison, s'il a fini de manger et faire ses besoins, on est toujours au tableau, on révise. Cette année, la direction communale de l'éducation de Kouroula, qui abrite la plupart des écoles privées de la commune urbaine de l'Abbé, prend la tête du peloton avec plus de 78% de réussite à l'examen d'entrée en 7e année, session 2019.